bonsoir Jean-Baptiste Luccione et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la semaine passée, le Premier ministre a confirmé la prolongation du confinement partiel auquel est soumis l'ensemble du pays de façon indistincte, ce qui provoque de plus en plus de réactions hostiles. Alors est-ce que vous n'auriez pas préféré en tant qu'élu local une adaptation à la situation de la Corse? Parce que finalement on traite l'île et ses 320 000 habitants comme l'Île-de-France et ses 13 millions. Bah, écoutez, d'abord... Petite pensée quand même avant de commencer pour les personnes qui souffrent, hein, les familles qui ont perdu un proche dans cette situation, qui malheureusement ont des gens qui sont en soins et quelquefois en soins intensifs, aussi pour les soignants qui font un travail extraordinaire. Et bien entendu, pour revenir à votre question initiale, il est évident que quand on est un élu de proximité comme je suis, comme on est un élu qui a toujours œuvré pour la décentralisation, pour qu'un Girondin, ben on se dit que quelque part... une solution co-construite sur un territoire aussi spécifique que peut-être une île, et en particulier la Corse, aurait été de bon aloi. On s'aperçoit malgré tout que les mesures prises commencent à prendre de bons effets, mais je pense qu'on aurait pu aller au-delà, et en particulier sur la situation économique, la situation sociale. Alors il y a au moins une conséquence politique à cette situation, c'est les élections, on en est maintenant sûr, elles seront reportées en juin peut-être, selon ce que préconise Debré. La majorité, le président de la République en particulier, aurait voulu laisser la porte ouverte à un report plus loin, et vous? Bah, écoutez, alors moi je pense qu'il faut d'abord... prendre acte que ce qu'on a fait malheureusement l'année dernière et ce qui s'est passé l'année dernière où les partis politiques n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu sur les municipales ne pouvait pas recommencer. Deuxième point, c'est je pense qu'il faut qu'on arrive à quelque part fixer une date et sanctuariser cette date. Vous êtes pour juin ou pour plus tard vous? Alors moi je suis pour le mois de juin. Je suis pour le mois de juin parce que je pense que aujourd'hui on est dans une phase déjà préélectorale, on est rentré dans une situation et puis il faut donner de la perspective rapidement aux gens et en particulier sur la gestion des collectivités. Alors quelle que soit la date, le débat politique lui demeure. Alors vous avez lancé fin septembre un appel à la réunification de la gauche en prévision de ces échéances futur. Vous avez reçu des réponses? Alors, aujourd'hui, c'est, bien entendu, vous le savez, c'est un peu dans notre ADN, aux uns et aux autres de gauche, et de cette gauche qui souhaite s'inscrire dans le mouvement progressiste, et puis faire en sorte qu'on arrive aux responsabilités, cette gauche qui souhaite gérer. Et donc, il fallait d'abord, le premier travail, c'était d'aller vers tous ceux qui sont, entre guillemets, inorganisés. C'était ce premier travail qu'on a souhaité mettre en place, donc avec des retours favorables des personnes qui sont un peu décimées sur le territoire, qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans telle ou telle mouvance politique, tel parti politique, mais qui ont envie. Le deuxième temps sera, et malheureusement la situation sanitaire, et je pense qu'il faut avoir de la décence vis-à-vis de tout ce qui se passe, qu'on disait au début, la situation sanitaire ne nous permet plus... Vous avez eu des réponses? Oui, tout à fait, bien entendu. Aujourd'hui, on a des réponses favorables de gens qui souhaitent s'investir, alors bien entendu, des hommes et des femmes qui sont déjà investis dans le tissu local, qui se sont déjà investis par le passé, et puis des personnes, des nouvelles personnes. Mais des partis politiques, par exemple, votre appel, il ne concerne pas la France Insoumise ou le Parti Communiste. Alors, bien entendu, ce que je disais, c'est le deuxième temps. C'est-à-dire, c'est plus facile de rencontrer des organisations qui ont un mode de fonctionnement organisé, des organisations qui ont une vie politique, un mouvement, un parti. Donc maintenant, le deuxième temps, c'est rencontrer tous nos partenaires que sont les mouvements politiques, que sont les partis politiques, sans exclusive, sans oucase avec personne. Voilà, pour essayer de construire cette plateforme où tout le monde se retrouvera. Et on le souhaite au premier tour, mais si ce n'est pas au premier tour, rapidement, pour arriver à construire cette offre alternative, cette vraie alternance possible. D'abord à gauche, mais est-ce qu'éventuellement une alliance avec une liste de droite serait possible au deuxième ou au troisième tour? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, on est très très loin du premier tour, et en plus, on parlait tout à l'heure du décalage des élections. Pour moi, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est vraiment de construire notre offre politique, de construire notre projet, de construire nos valeurs, de construire ce qu'on va proposer aux gens. Et vous savez, Jean-Baptiste, en politique, il y a un principe qui est simple. Au premier tour, on rassemble. Au deuxième tour, on ouvre. Et déjà, rassemblons-nous, nous, notre famille politique. Faisons œuvre commune sur les bases qui doivent être les bases qu'on connaît tous, c'est-à-dire les statuts que la gauche a pu donner à la Corse. C'est sur ce travail qui a pu être fait pendant une très très courte mandature, parce que on a travaillé simplement pendant 5 ans, l'équivalent de la mandature actuelle. Et donc, c'est là-dessus que moi, je souhaite travailler. Jean-Baptiste Luccione, je vous remercie. Merci.